Un fort étrange capitaine ne cesse d'aller et venir. Faut-il qu'il ait l'âme en peine pour ainsi ne jamais sourire? L'œil collé à sa longue vue, il porte le regard ailleurs. Ses passagers sont de la revue pour ce curieux navigateur. Il cherche au loin une sirène, un signe aimable du destin qui fera d'elle sa reine, lui accordera sa main. Sa goélette fend les vagues, il se rêve en Poséidon. N'est-ce donc pas un mauvais gag pour qui est bien pire que démon? Dans son bateau, les délaissés espèrent un peu d'égards, qu'il cesse enfin de les ignorer en les conduisant au hasard. Le vieux loup de rivière reste sourd aux plaintes du bord. Il entend l'appel de la mer, sûr et certain, mais il s'aborde. Tournant jusqu'au bout de la nuit, sans nul souci de ses clients, il espère un signe fortuit de la princesse à son galant. La sirène, hélas, ne viendra pas. À d'autres chats à fouetter, le capitaine en grand tracas devra encore s'en passer. L'aube, enfin, toute transie, la troupe s'en revient au port. Les pauvres gens sont bien punis de s'être embarqués à son bord. Un très étrange capitaine ne cesse de venir et d'aller. Faut-il qu'il ait l'âme en peine pour ainsi ne jamais convoler.